Le rebond s'accélère ce midi à la Bourse de Paris avec un CAC 40 en vive progression, plus 1,1% au-dessus des 3200 points. Et c'est Total, la première pondération du CAC 40 qui soutient la tendance, plus 1,1% dans le sillage de la remontée des cours du pétrole. Bien orientées aussi les valeurs cycliques, Saint-Gobain et Lafarge actuellement parmi les plus fortes hausses du CAC 40. En revanche, la dégringolade se poursuit pour Alcatel-Lucent qui recule encore d'1,4% après avoir plongé de 20% hier dans le sillage d'un sévère avertissement sur ses résultats 2012. Et puis PPR perd 1,4% plombé par l'avertissement lancé par sa filiale Puma. Le titre Peugeot rebondit nettement ce midi à la Bourse de Paris, plus 4,2%. Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg a rencontré hier soir les syndicats de PSA et s'entretiendra ce soir avec Philippe Varin, le président du constructeur automobile, afin de mesurer l'étendue des dégâts dans les comptes du groupe ayant conduit à lancer un nouveau plan de restructuration. Le ministre qui parle également du plan de soutien à la filière automobile, il passera par un soutien massif aux véhicules innovants et propres. Les modalités précises de ces incitations restent en discussion, mais Arnaud Montebourg a avancé la piste d'une accentuation du système de bonus-malus écologique. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.